Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Ceci est une petite vidéo, une petite pensée, une petite parole, une petite prière, des doigts pour notre cher frère Rachid Haddach, prédicateur en Belgique. Il est venu à Montréal il y a quelques années. Alhamdulillah, j'ai eu l'honneur de le rencontrer. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite au Canada. Moi, je parle pour moi-même. Quoi. En tant que reconverti à l'islam, vos prêches m'ont beaucoup aidé. Et puis aussi sur internet, j'ai écouté beaucoup vos prêches et ils m'ont beaucoup aidé. Si c'est possible que vous donniez un petit mot pour les musulmans et les non-musulmans. Bismillahirrahmanirrahim, tout d'abord, et il le sait, je le suis toute l'année avec son petit Facebook, hein, c'est ce qu'on s'est rencontré l'année passée, mais ça a été drôle, la continuité est restée pendant l'année, donc je vais chaque fois visiter un peu ta page, et Mustaqim TV aussi, hein, donc tu commences déjà à la remplir petit à petit, et on voit qu'il y a, même s'il y a comme on dit, un petit élan parce que c'est le début. Oui. Comme je dis toujours, tu fais ton possible. Ce que tu es capable de faire, fais-le. Parce que justement, tant qu'on a, alhamdoulilah, des frères convertis, avec d'autres frères qui sont musulmans de souche, mais qui a cette amitié qui est là, cette union, et qui a moyen de faire quelque chose pour la communauté qui est en face, par exemple les non-musulmans. Parce que, alhamdoulilah, entre musulmans, on est en train de s'aider, il y a des choses qui se font. Mais on oublie souvent l'aspect qui touche les non-musulmans. Rien que sur le fait de faire connaître un petit peu l'islam, comme toi tu l'as connu, d'avoir un endroit où il y a moyen de discuter, donner un peu son avis ou bien ce genre d'initiative comme tu le fais avec ta page Facebook, avec Mustaqim TV, je crois qu'Inch'Allah ça sera des occasions pour pouvoir améliorer un petit peu cette communication qui des fois entre guillemets manque d'une certaine manière. Mais sinon qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve et comme on dit toujours, un projet quand on le commence, il faut faire son possible pour le garder. Inch'Allah qu'Allah t'aide et une bonne continuation. C'est Allah qui donne la possibilité. C'est normal. Que Allah vous récompense. Qui te donne la patience et qui protège ta famille, Inch'Allah. Et une bonne continuation à Ishaq. Allah. Et une bonne continuation. Ça va, n'hésite pas à contacter s'il y a quoi que ce soit aussi. Ça va. Et puis, ces cours m'ont aidé vraiment beaucoup pour ma reconversion à l'islam, pour mon apprentissage dans la religion et puis pour augmenter ma foi. Masha'Allah, il a toujours été comme un père pour moi, même si je sais pas quel âge qu'il a, peut-être je suis proche de lui, mais il a toujours été comme un père pour moi. On a toujours gardé contact, même si on était loin. Alors, c'est pour cela qu'en islam, on crée des liens de frères, entre frères et entre sœurs, des liens de famille. Pendant les jours qu'il est venu, je l'ai vu quelques jours pendant qu'il est venu à Montréal, et puis après, on a échangé par le courriel. Vraiment, ce frère-là est resté dans mon cœur vraiment beaucoup. Et puis, comme par hasard, mais il n'y a pas d'hasard dans l'islam, hier, je voulais justement regarder une vidéo de frère Rachid Haddach avec ma fille. Et puis, ça faisait presque plus qu'un an, j'avais pas regardé de vidéo du cher Rachid Haddach. Et puis, comme de fait, j'ai regardé la vidéo hier. Et puis, c'est hier qu'il est mort. Qu'Allah lui pardonne tous ses péchés. Qu'Allah lui enlève, lui interdise l'enfer de la tombe, qu'Allah lui donne le paradis, le plus haut degré du paradis, sans jugement, qu'Allah élargisse sa tombe comme si ce serait le paradis, qu'Allah facilite à toute sa famille. C'est juste une petite parole, une petite pensée, tu vas nous manquer, mais en même temps, en tant que musulmans, nous sommes tristes, mais aussi nous sommes contents parce que, Inch'Allah, il sera au paradis, Inch'Allah. On se verra bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse tous au paradis. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Et qu'Allah nous facilite les bonnes actions. Je vous aime tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.